Tu as sûrement déjà rêvé d'avoir une vie de prince. Habiter dans un palace, un garage rempli de voitures, une énorme piscine olympique, des chauffeurs et des cuisiniers rien que pour toi. Et pourquoi pas même un supermarché privé où tu pourrais faire tes courses toi et ta famille en toute tranquillité. Tu ne diras pas non, j'imagine. Je viens juste de te décrire une partie du nouveau contrat du joueur Cristiano Ronaldo avec l'équipe saoudienne Al Nassr. Sans doute l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo a depuis quelques années eu des salaires astronomiques. Mais avec ce dernier contrat, il vient de marquer un peu plus l'histoire du football. Et avec tout cet argent, tu n'es pas le seul à te demander où vont tous les millions du joueur portugais. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler des 10 choses de plus d'un million d'euros que Cristiano Ronaldo possède. Avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Alors rejoins-nous dès maintenant, le lien est dans la description. Numéro 10, vêtements. On le sait tous, Cristiano Ronaldo donne une grande importance à son look. À chaque apparition en public, on ne peut pas passer à côté de ses costumes sur mesure et de ses ensembles très coûteux. Sa collection dépasse largement le million. Il a même créé sa propre marque de mode, CR7, qui propose des parfums, des chaussures et des sous-vêtements. Numéro 9. Montres. On dit souvent que les montres sont un vrai signe de richesse. Eh bien, Cristiano n'a pas à se plaindre avec sa belle collection de montres. Tu veux sûrement connaître la plus chère d'entre elles. C'est une montre désignée spécialement pour lui par l'horloger Frank Muller, d'une valeur d'€1,3 million. Tu veux aussi savoir pourquoi elle est aussi chère? Eh bien, la montre est composée de 600 diamants. Numéro 8. Georgina. Cristiano vit l'amour fou avec Georgina Rodriguez depuis maintenant 6 ans. Ils ont eu 2 enfants ensemble et vivent leur meilleure vie. Et on peut dire que Ronaldo le montre bien à son amoureuse quand on voit tous les bijoux qu'il lui achète. Pour n'en citer qu'un seul, lors du match Portugal-Maroc à la Coupe du Monde 2018, Georgina a été aperçue avec une énorme bague en diamant au doigt. Le prix de ce bijou, près de 700 000 €. Numéro 7. Voiture. Tu te doutes bien que Cristiano a un garage bien rempli. Parmi sa collection de voitures, on peut noter la fameuse Bugatti Santo Dieci. Seulement 10 exemplaires dans le monde et l'une d'entre elles appartient au joueur portugais. Son prix, pas moins de 8 000 000 € pour cette merveille qui peut atteindre une vitesse de 380 km/h. Que ça soit sur le terrain ou en dehors, on peut dire que Cristiano aime aller vite. Numéro 6. Hôtel. Cristiano Ronaldo ne dépense pas son argent que dans des voitures et des montres. En plus d'être un excellent joueur, il est aussi un très bon entrepreneur. Sa chaîne d'hôtellerie, en collaboration avec le groupe Pestana, est un exemple parfait. En effet, Cristiano possède 5 hôtels un peu partout dans le monde. À Madère, à Lisbonne, à Madrid et à Marrakech. Des hôtels plutôt au standing, où les nuits avoisinent les 150 €. D'ailleurs, un 5e hôtel ouvrira bientôt à Paris. Numéro 5. Yacht. Des photos de Cristiano sur le yacht, on en a vu pas mal traîner sur les réseaux sociaux. En effet, le joueur portugais passe beaucoup de temps sur son petit bateau de 27 mètres de long. En même temps, avec 4 chambres et 7 salles de bain, qui n'aurait pas envie de se relaxer au bord d'un magnifique yacht? Ce confort a un prix et il est de 6 000 000 €. Numéro 4. Appartement Trump Tower. En 2015, Cristiano a acheté un appartement à la modeste somme de 18 000 000 € dans la luxueuse Trump Tower à New York. Malheureusement pour le joueur portugais, il l'a vendu quelques années plus tard en perdant 10 000 000 € par rapport au prix d'achat. Et oui, on n'est pas toujours gagnant, même quand on s'appelle Cristiano Ronaldo. Numéro 3. Appartement à Lisbonne. La perte qu'a subi Cristiano sur son appartement de New York ne l'a pas empêché d'acheter juste après un autre appartement à Lisbonne au prix de 7 000 000 €. En plus d'avoir marqué l'histoire de sa ville grâce au football, Cristiano ne s'est pas arrêté là. Car effectivement, l'appartement qu'il a acheté est jusqu'à présent le plus cher jamais vendu à Lisbonne. Numéro 2. Jet. Quand Cristiano n'est pas en train de se reposer sur son yacht, il voyage avec sa petite famille. Et Cristiano ne voyage pas avec tout le monde, bien évidemment. Il a son propre jet privé. Avec une capacité d'accueil de 18 personnes, c'est un appartement volant. La valeur de son jet privé avoisinerait les 20 000 000 €. Il l'a d'ailleurs récemment mis en vente, dont l'objectif d'acheter un autre plus grand. Sympa la vie de riche, hein? Numéro 1. Charité. Comme son camarade Lionel Messi. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo, 10 choses de plus d'€1 million que Messi possède. Je t'invite à aller la voir. Cristiano a prouvé plus d'une fois sa générosité grâce à ses nombreux dons. En effet, le joueur donne énormément d'argent aux hôpitaux. Il a par exemple fourni énormément de matériel lors de la pandémie du Covid-19 aux hôpitaux au Portugal. Il a plus d'une fois donné ses primes de match à des associations qui aident les enfants atteints de maladies graves. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Et toi, t'achèterais quoi à
avec un salaire comme celui de Ronaldo? Dis-le-moi en commentaire. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et sinon, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Alors rejoins-nous dès maintenant. Le lien est dans la description. Ah, j'avais oublié. N'oublie pas de me dire en commentaire qui est ton GOAT, Cristiano ou Lionel Messi. Pour moi, ce sont des joueurs totalement différents. Donc, apprécions-les tous les deux, car ce beau duel s'approche vraiment de la fin. Allez, on se retrouve très bientôt sur 11 Football.